Bonjour, je vais tester là les différentes manières de tirer des traits ou de faire des délimitations entre deux couleurs les plus précises possibles sur une toile ou sur un papier, sur un carton, quand on est en train de peindre à l'acrylique ou à l'huile, par exemple. C'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai souvent la demande et je me suis aussi souvent posé la question. Donc, on a plein de méthodes différentes. Continuez bien sûr à proposer les vôtres aussi, bien sûr. Mais là, je vais vous montrer plusieurs façons de faire. D'abord avec un carton comme cache, comme protection, délimiteur. La même chose avec du plexiglas. Voilà. Bien sûr, le ruban crêpe qui permet de délimiter. Voilà. On peut travailler au couteau pour faire des délimitations précises. On peut travailler au pinceau et particulièrement au pinceau biseauté qui sert à ça. Voilà. Voilà. On va regarder toutes ces étapes les unes après les autres. Il n'y a rien de compliqué techniquement, mais ça donne des petites idées à tout le monde. Et puis, ça permet de faire un petit comparatif. Voilà, on y va, on regarde. Donc on y va, on commence. On commence par. On va commencer par tracer directement à la peinture, à l'acrylique, un trait. Ça, on sait faire ça. Hein. Voilà, on va tracer un trait. Ça sera un peu notre référence. D'accord? Voilà. Alors, juste avec une transparente, c'est pas très simple. Voilà, on est censé avoir un trait droit. Donc pour céder. Là, on arrive de prendre un carton, hein, et toujours, on va aller faire ça de la même manière. On peut badigeonner clairement. Et normalement, ça aide. Voilà, ok? Petite bavure, mais on a réussi, voilà, on fait ce que j'avais en tête. On peut le faire avec du plexiglas qui est plus précis, plus. Bave moins. Puis en plus, l'intérêt du plexiglas, c'est qu'on voit ce qu'il y a derrière. On est quand même, on reste dans l'entièreté de la toile, quoi, pour faire ça. Voilà. Pareil, petite bavure, hein, toujours. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Ben, on va prendre du ruban crêpe, bien sûr. Hein, qui permet de ne pas blesser la feuille. J'ai été trop économe. Oui, certainement. Voilà. Alors on peut laisser sécher, hein. On peut laisser sécher le ruban, l'acrylique, pardon, pour. Et c'est la meilleure façon d'avoir des limitations. On va laisser sécher un peu, on trichera même un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? On peut travailler au couteau. Donc en travaillant au couteau, on va avoir. Il faut qu'on trouve la bonne façon d'avoir le geste. Mais on va avoir ici la possibilité de tirer. Exactement où on veut, vous voyez, hop. Je le fais vite hein, et mal, bien sûr, mais vous voyez le principe? On peut tirer notre trait facilement et au couteau, avec l'arête du couteau, aller positionner la peinture, la couleur du côté qu'on veut. Je vous disais, bien sûr, le pinceau biseauté. Voilà, avec ça, on doit pouvoir faire de la belle précision. Hop, hop, ça sert à ça, hein. Je tremble, c'est ce que je fais. Vous voyez, ici, on a quand même, on arrive à tirer très, très, très précisément des traits. Voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez le truc? On a un trait très, très précis. J'ai pas dit qu'il était droit parce que je l'ai pas fait droit. Mais voilà, on peut faire des traits très précis, sans bavure, sans rien du tout. Voilà. Donc après séchage, on va regarder ce que ça donne en enlevant le ruban crêpe. C'est parfait. C'est parfait. C'est un trait parfait. Aucune bavure, rien du tout. Alors si on repasse en revue tout, hein, trait de pinceau classique, trait de pinceau séparé par un carton, trait de pinceau spalter séparé par le plexiglas, j'essaie plutôt infructueux, pas très très bon, enfin avec des bavures, ça marche, mais il y a des bavures. Ici avec le ruban crêpe, parfait, très nickel. Hein. Le couteau, ça marche bien, voilà. Et puis pour finir, on avait le pinceau biseauté qui est très très bon aussi, très Voilà, c'est rapide, précis. hein, c'était juste un test. Des petits trucs pour vous aider à tirer des traits droits ou des formes droites ou des séparations de couleurs sur une toile. On a souvent ce petit truc à résoudre. Voilà quelques petits effets qui vont vous faciliter la vie, j'espère. Merci beaucoup, merci pour tous vos encouragements et puis à très bientôt.